Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous, chers amis photographes, utilisateurs de matériel Sigma ou pas. Nous sommes le lundi 28 mars. Je suis Bertrand Guilleneuf. Vous en avez l'habitude maintenant. On se retrouve toutes les fins de mois pour vos photos à la une, les coups de cœur du mois de mars. Et pour m'aider à présenter cette émission, bien sûr, vous en avez l'habitude également. On va retrouver normalement, si tout va bien, Damien. Eh oui, bonjour Bertrand, bonjour à vous tous, très content de vous retrouver pour ce dernier lundi et vous avez l'habitude de nous retrouver pour partager vos photos. Aujourd'hui, le printemps est là, il fait beau et sur ce mois, vous avez été nombreux à poster vos photos. Alors, vous en avez l'habitude, on l'a dit, ce sont les coups de cœur du mois de mars, une sélection de photos qui a été réalisée par Renaud. Et il réalise cette sélection à partir des photos que vous postez sur le groupe utilisateur Sigma, Damien. Oui, hein, ce groupe utilisateur Sigma maintenant regroupe plus de 12 000 participants. C'est une plateforme d'échange qui est conviviale et qui vous met en relation, vous les photographes. Elle vous permet de parler de votre matériel photo, de poser des questions autour des optiques, autour des boîtiers. Et aussi, elle vous permet de poster vos photos et de vous mettre ainsi en valeur. Voilà, comme on le voit sur ces diapos, vous avez des postes de photos, vous avez différentes informations, les sorties nouveautés, et tout ça grâce à une adresse uniforme pour tous les réseaux sociaux, @sigmafrance, tout attaché, tout en minuscules. Depuis le début d'année, Renaud a également amélioré, Damien, avec le blog, je crois. Oui, ce fameux blog qui va permettre de poster directement vos images. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise et qui ont un travail photo qui est plus abouti, ça permettra de vous mettre directement en relation avec Renaud. Alors, ça fait la passerelle avec notre sélection. On commence par cette première photo et vous en avez l'habitude également maintenant. Nous, on va s'effacer derrière l'image. Vous entendrez plus que notre commentaire et vous allez pouvoir admirer sans aucune retenue toutes les photos de cette nouvelle sélection. Vos photos à la une, les coups de cœur du mois de mars. Et voilà, donc une jolie photo pour commencer, elle nous met plein la vue avec une photo de Julien qui lui utilise un boîtier hybride, le boîtier Canon R6 avec l'adaptateur pour mettre du coup du Sigma en monture EF. Et lui, il utilise, Julien, un 14-24 qui ouvre à 2.8 dans la série AR et il fait une pose de 0,3 secondes. Grâce aussi à des filtres polarisants et des filtres neutres. Il est en f11, d'où cette grande profondeur de champ. Et comme on vous disait tout à l'heure dans ce blog utilisateur Sigma, vous pouvez interagir. Et Olivier Globetrotter nous dit elle est bien ta photo, mais moi j'aurais poussé la pose pour avoir l'effet de l'eau avec un peu plus de filet, un peu plus de flou. Et du coup, Julien a pu lui répondre direct merci pour le fait que t'aimes bien mon image, mais par contre, j'aime pas justement quand ça fait ce flou là, et c'est pour ça que j'ai préféré avoir une image avec de l'eau un peu plus figée sur le premier plan. Parce que sinon, lui, il trouve que ça fait un petit peu un voile palo. Et nous, quand on a, avec Bertrand, ça nous a fait rire de mettre ça en parlant d'eau. Tout à fait. Et petite précision, pendant que vous admirez cette photo, je rappelle que vous avez bien sûr le chat avec Renaud qui peut répondre à vos questions par écrit. Nous, on peut y répondre oralement. Il mettra les liens sur les différents produits ou les différentes choses, les différentes infos intéressantes. Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui. On continue cette sélection avec notre deuxième photo. Oui, une photo réalisée avec le 105 macro en f2.8, bien sûr, et stabilisé. Et c'est Olivier Duchamp qui nous propose ça. Il a mis un titre à cette image, « Élégance ».
Bonjour Julien, bonjour Jérôme, bonjour Christophe, bonjour les gens, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver en ce début de printemps avec cette première photo macro une première fleur pour honorer ce printemps. Et on continue avec un beau coucher ou un beau lever de soleil, Damien? Eh bien voilà, c'est un lever de soleil et c'est autour de la basilique de Vézelay en Bourgogne, hein, Bourgogne Nord. Et là, Jocelyne utilise un boîtier APS-C Nikon, le D500, additionné au 35 1.4 DG-R, hein, le mythique 35 que j'affectionne tant. Du coup, sur son APS-C, ça lui fait un équivalent 50. Et voilà, une photo comme ça au lever du jour qui donne envie et de se réveiller tout doucement. Oui, surtout avec ce changement d'heure, le réveil a été encore plus matinal ce matin, donc vous avez la semaine pour vous acclimater à ce nouvel horaire, mais qui est l'heure d'été, donc on va vers les beaux jours, et vous allez pouvoir vous aussi faire de belles photos comme celle-ci, qui nous envoie un bon message de là-bas, du ciel. Alors là, on revient, j'allais dire sur Terre, non, sur l'eau. Exactement, sur l'eau, et c'est Jean-Luc Gauthier qui nous propose ce joli noir et blanc. Il a répondu à l'invitation de Renaud hein, dans le cadre du hashtag du défi Sigma Photo. Et là, un joli noir et blanc, c'était le thème. Coucher de soleil sur le lac Saint-Michel, commune du Bottmeur en Bretagne. Et c'est réalisé avec le 24-105 en ouverture 4, le stabiliser, et on est au 250e AF8, donc une bonne sensibilité sans ISO. Ben voilà, une jolie photo avec un kayakiste qui profite comme ça des derniers rayons de soleil de la journée. Bravo. Oui, c'est une photo de par chez moi, comme on dit, et si ma géographie est à peu près bonne, je crois qu'on aperçoit en haut de la petite colline la chapelle Saint-Michel, d'où le nom, je crois, de ce lac, Saint-Michel en breton, et qui doit être un petit peu dans le Kreisker, c'est-à-dire dans le pays breton centre, pas loin de, entre Saint-Brieuc et Quimper, pas loin de Brénilis, il me semble. On va aller là-bas prochainement d'ailleurs pour aller voir mes clients bretons. Alors, on reste sur l'eau avec ce bel arc-en-ciel. Oui, hein, c'est Julien qui nous propose un joli paysage en Islande, hein, une cascade comme ça qui dégage ce joli arc-en-ciel. Il a utilisé un Canon boîtier donc hybride, le R6, toujours avec cette fameuse bague, hein, donc ça vous montre que tout fonctionne merveilleusement bien, et c'est avec le 1424 F28 DG-R. Et là, on est à 2,5 secondes de pause à 21 mm. Et il a aussi, pour avoir ce filet sur cette cascade, mis des filtres polarisants et des filtres gris. Voilà, ce qui peut être un petit peu intéressant ou troublant, ça va dépendre des goûts des uns et des autres, c'est que l'eau sur la cascade, justement, semble cotonneuse, figée, comme tu l'as dit, avec la pose longue. Par contre, l'eau sur laquelle peut-être on a l'air de flotter, elle n'est pas floutée, n'est pas floue. Donc voilà, un mix des deux, intéressant, avec la séparation de ce bel arc-en-ciel, composé de plusieurs couleurs, bien sûr. Eh bien, je réponds à Jérôme qui dit polarisant, pas possible sinon pas d'arc. Eh bien, en tout cas, dans les commentaires de Julien, il met bien filtre polarisant plus filtre neutre. Donc, je fais confiance à Julien qui, lui, a réalisé cette photo. Alors, ce qui est intéressant, et ça montre ça va toute l'utilité du groupe utilisateur Sigma, c'est que Jérôme va pouvoir aller éventuellement faire cette remarque sur le site, sur le groupe des utilisateurs Sigma, et entamer un dialogue avec l'auteur de cette photo. Voilà, ou peut-être que il avait fait un copier-coller, qu'il a oublié d'enlever le filtre polarisant, je ne sais pas, mais on va laisser le doute à l'auteur. On va s'abstenir, comme on dit, dans le doute.
Alors, ça, c'est. Ben, on revient un peu à nos amis les oiseaux hein, qui arrivent dans nos champs, dans nos jardins. Et je crois que cet oiseau-là, quand il arrive dans votre jardin, il s'annonce pas, il fait pas de bruit, il vient pas frapper à votre porte, hein. Exactement, puisque c'est un étourneau sans sonner. Ouais, merci pour ta petite blague, Bertrand. Et donc, Sandro utilise un boîtier 6D Mark II avec le 150-600 Contemporary. Et ben voilà, hein, quand on dit le 150-600 Contemporary fait partie des maestros de la longue focale, et voilà les images qu'il arrive à sortir, ben un super piqué et un super bokeh. Donc, on attend ça d'une optique et bravo. Et je crois même qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le 150-600 DGOS Contemporary, c'est devenu la référence pratiquement unique pour les amateurs de photographie animalier, bon, qui ne veulent pas mettre des 1000 et des 100 dans une optique. Je vous rappelle qu'elle est aux alentours des 1000 euros. Donc, vous avez de quoi vous faire très plaisir dans la photographie animalière ou sportive, ou peut-être même dans d'autres utilisations, parce que je crois que cette sélection nous réserve quelques surprises, Damien. Oui, on va voir ça tout à l'heure en défilant notre PowerPoint. Allez, on revient sur le noir et blanc. Et voilà, donc Valérie Voisin qui nous propose dans le défi photo Sigma noir et blanc une jolie cascade du chapeau de gendarme qui est dans le Jura, un lieu hein, que je connais puisque c'est aussi plutôt de par chez moi, comme tu dirais, Bertrand. Et c'est fait donc avec utiliser un boîtier 6D Mark II. Donc un plein format et le 14-24 DG AR. Et là, on est à 24 mm à f10, 50 ISO et 1/30 de seconde. Et ben voilà, un beau noir et blanc bien réalisé avec plein plein de choses à observer. Et voilà, le 14-24, le 12-24, voilà des optiques qui vont vous permettre vraiment de faire de très belles photos de paysages, mais pas que. Alors, peut-être est-ce une belle photo de macro, Damien, ça? Eh bien, excuse-moi de te contredire, Bertrand, hein, mais Gaël n'utilise pas de macro pour faire cette image-là. C'est vrai qu'on penserait sur ce genre de petites fleurs comme ça d'utiliser une optique macro. Mais là, Gaël dit c'est le printemps. Là aussi, c'était sur le défi photo Sigma, photo thème le printemps. Et il utilise, pardon, Gaël, le Canon 90D et l'optique, c'est un 85 1.4. Hein, donc, effectivement, le fait d'avoir un bokeh si prononcé met vraiment en valeur et donne l'impression d'avoir pu utiliser une optique macro. Alors, je vois que Loudoudou nous pose une question. Il souhaiterait photographier des hélicoptères et il demande quelle focale ou quelle optique utiliser. Eh bien, on parlait du 150-600 Contemporary DGOS. Contemporary, bah, celui-ci est parfait. Dans un budget un petit peu inférieur, vous avez le 100-400. Dans un budget légèrement supérieur, si vous êtes en hybride, vous allez pouvoir reprendre le 150-600 DGDN Sport. En plus, si vous êtes attentif jusqu'à la fin de notre émission, vous verrez que vous avez une petite surprise intéressante. Donc, ça, tout dépend du boîtier, tout dépend du budget, mais toutes les longues focales, le 100-400, 150-600, vont être adaptées, bien sûr, à la prise. Et d'ailleurs, Loudoudou, si vous êtes de par chez moi, hein, dans l'Ouest, plus exactement à Cognac, les 21 et 22 mai, je crois, nous avons un meeting aérien en collaboration avec la FOSA. Et en général, il y a des hélicoptères et vous pourrez éventuellement venir tester nos produits puisqu'on sera présent aux côtés de la FOSA comme maintenant depuis plus de 5 ans, je crois. Allez, on revient à notre sélection du mois. Vos photos font la une, les coups de cœur du mois de mars et on continue avec un autre animal cette fois-ci. Et ben voilà, la belle Palma prise en photo par Yannick. Bravo pour ce cliché. On voit un petit peu la vitesse, puisque les oreilles du chien sont vraiment plaquées en arrière. Et là encore, on s'est fait avoir en regardant et en analysant tout à l'heure
la photo avec Bertrand, puisque Yannick utilise donc un Panasonic Lumix S5, un boîtier 24-36, et il ne va pas utiliser, on pensait que ça aurait pu être fait avec un 70-200, avec un 150-600, une optique un peu longue comme ça, et là il utilise une optique macro, le 105 F2 DGDN macro, en série AR bien sûr, et il a mis en plus le TC2001 pour avoir une focale de 210 mm. Eh ben, bravo pour cette belle image. Oui, ce Dalmatien qui n'a pas les cheveux, qui est comme moi, il n'a pas les cheveux dans le vent, mais lui, il a les oreilles dans le vent, bien plaquées, et la prise de vue est intéressante. On remarque quand même de plus en plus de photos avec votre animal de compagnie, donc n'hésitez pas à les poster, ça fait toujours en général de belles images. À propos de belles images, ben là, une image qui fleure bon le printemps. Oui, voilà, un joli portrait réalisé par Lionel. C'est fait avec un boîtier Nikon 24-36, le D800E et le Sigma 50 DG AR en ouverture 1.4. On n'a pas plus de détails, mais voilà, une jolie photo avec un point de vue intéressant, voilà, en allongeant son modèle dans l'herbe haute et puis en se mettant à son niveau directement, légèrement en contre-plongée. Ben voilà, un beau coup d'œil, un joli cadrage avec une belle lumière. Oui, en plus, le fait d'avoir mis la main en avant devant, ça permet d'avoir ce contraste de profondeur de champ, de faible profondeur de champ, et ça donne un petit peu de dynamisme à ce beau portrait. Donc, les beaux jours arrivent, hein, l'herbe pousse, les foins vont bientôt être à bonne hauteur. Vous n'hésitez pas à essayer de refaire de beaux clichés comme celle-ci. Voilà, et puis quand on dit qu'on peut faire des jolis portraits avec des optiques un peu plus grand angle, hein, comme des 35 ou des 50, ben voilà, une des preuves et un beau résultat. Bravo. Ah non, tu ne vas pas relancer la polémique entre les 50 et les 35. Allez, nouvelle photo. On retrouve un noir et blanc, un portrait d'un autre style. Adrien qui nous propose aussi pour le défi en noir et blanc un joli portrait avec un Sony Alpha 7.4, le nouveau boîtier référence chez Sony, et le fameux, tout nouveau aussi chez nous, le 35 1.4 DGDN AR, celui qui a justement cette bague de diaph maintenant sur ce 35, crantable et décrantable, une optique vraiment que moi j'affectionne particulièrement, et voilà, une belle utilisation pour un portrait comme ça de dos où la personne contemple un soir comme ça ce plan d'eau. Vous aimiez le 35-1.4 DG, eh bien vous aimerez le 35-1.4 DGDN pour hybride, hein, puisque c'est la star réinventée, la focale réinventée pour les hybrides, et qui est déjà devenue la nouvelle référence dans cette focale de 35 avec une grande ouverture en 1.4. Un autre portrait. Oui, voilà, c'est Florian qui part faire de la photo animalière, hein, il nous explique, qui part faire de la photo animalière, et puis faute de sujet, en plein hiver, même pas un petit oiseau à photographier, voilà, il finit par faire une photo de paysage dans le blizzard, et il utilise un Canon 7D Mark II et le Sigma, le Zoom 18-35 en ouverture 1.8, dans la série AR. Donc, voilà. Certains diraient à chacun sa croix, et puis d'autres que le bonheur est sur le chemin. Donc voilà, je vous laisse chacun avec votre interprétation de cette photo animalière très particulière. On va quitter les frimas de l'hiver pour retrouver la chaleur d'un animal de compagnie. Chat alors.
Chat alors, comme tu dis, et Looping, mon chat d'or. Looping, c'est le prénom de son chat, le chat de Pauline qui a réalisé cette belle image, voilà, avec un Nikon D810 et le 150 macro, le 150 DG macro. Voilà, comme quoi les optiques macro peuvent aussi permettre de faire des portraits, qu'ils soient humains ou animaux. Alors après le gros plan sur les yeux qui étaient les étoiles du chat, et eh bien là on se retrouve dans l'infiniment grand avec cette belle voie lactée. Voilà, une voie lactée, hein, qui est un petit clin d'œil aussi, on dirait une forme d'œil comme ça. C'est sur la plage de Kariketé en Nouvelle-Calédonie. Florian nous propose une jolie voie lactée réalisée avec un 1835 1.8. Là, on n'a pas le boîtier, mais voilà, un joli cliché et ça fonctionne largement. Ça fait rêver. Oui, belle photo, sous les tropiques pratiquement, noir, non, un petit peu plus, oui, si, sous les tropiques, hein, la Réunion, on est un petit peu plus au sud, mais il fait, le ciel est beau. Et félicitations Yannick pour ce bel achat et cette bonne opportunité de la réduction. On va en reparler, je crois, à la fin du live, Yannick. Alors, encore une fois, après l'infiniment grand, ben, on pourrait presque dire l'infiniment petit. Voilà, avec Boris qui nous propose une photo d'anémone dans son écrin de coton. Et c'est là aussi réalisé avec une optique macro, le 150 mm, en ouverture de 8. Ah, et on, c'est une spéciale dédicace à Jérôme aujourd'hui, la sélection de photos macro. Voilà, puis là, on a l'impression, voilà, que la fleur est en suspension, que la tige, on dirait qu'elle a été coupée. Et voilà, une belle petite image. Voilà une image qui, moi, vraiment simple, mais qui est voilà, tout en poésie. Et pas forcément facile à réaliser. On revient avec nos oiseaux des jardins. Oui, donc là c'est David qui nous propose un bruant des roseaux et c'est une femelle. C'est fait avec un Canon 6D et le 150-600 Contemporary et on est au 2 millième de seconde à 600 mm et à F9. Ben voilà une photo qui est bien composée, qui a une belle lumière. Moi j'aime bien ce genre d'image. Oui, puis avec ce bokeh arrière là qui est vraiment caractéristique des longues focales chez Sigma, hein, vous voyez, le fond est bien flou, donc le sujet se détache parfaitement de l'arrière-plan. Ah, on revient parmi les étoiles. Et on a traversé la frontière puisqu'on est en Belgique et c'est Fabio qui nous propose une voie lactée réalisée le 6 de ce mois-ci à 5h17 du matin, très précis. Lui, il utilise un boîtier Sony, ben, le nouveau, hein, l'Alpha 7.4 aussi, et il a additionné au 2470 DGDN. Monture Sony, le fameux Sigma en ouverture 2.8, et il a 17 secondes de pause pour réaliser ce cliché, et ça a été fait à l'Observatoire de la Fosse. Hein, donc c'est vrai que souvent on remarque, hein, que dans les photos comme ça en astro, surtout quand on prend des voies lactées, ben les photographes mettent en bas un paysage et puis de temps en temps des branches en premier plan pour donner un petit peu de volume et composer son image. Donc encore une photo bien réussie, bravo. On revient de la macro. Voilà Pierre, hein, qui nous propose une anémone pulsatile et c'est fait avec le Sigma, le 105 macro. Il est à 4,5 d'ouverture à 200 ISO. Et on n'en sait pas plus. Mais voilà une photo qui fonctionne bien et on remarque, bah, le bokeh arrière, hein, le petit rond comme ça qui permet de mettre un petit peu
de beauté et puis de ce côté jaune comme ça qui fait ressortir le violet de l'anémone. Par contre, c'est pas facile de mettre un jaune d'œuf quand même comme ça en arrière-plan. Non, belle photo. Alors, c'est pas le soleil, je pense quand même. Je sais pas. Je pense pas que ce soit le soleil, mais c'est en tout cas le. Je m'interroge. Mais c'est très très bel effet, oui. Alors là, il y a un peu moins de jaune, hein, un peu plus de sombre, mais ça doit être un animal de par chez toi, Damien. Oui, un joli bouquetin dans la pénombre réalisé par Jimmy qui utilise un boîtier 5D Mark IV et encore et encore le fameux Sigma, le 150-600 Contemporary qui fait des merveilles. Encore une fois, Jimmy maîtrise son optique et son boîtier pour présenter une belle image. Alors, Jérôme, le spécialiste macro, me dit que si, ça doit être le soleil. Lui, ça ne l'étonne pas. Donc, c'est vrai qu'il est certainement beaucoup plus spécialiste que moi de la macro. Donc, on va écouter son analyse. Et on va laisser passer tranquillement ce bouquetin pour passer à la photo suivante. Alors là, je reconnais l'endroit, je crois que c'est au Havre, le fameux volcan. Alors, ce n'est pas en Auvergne, hein, c'est en Normandie. Et je crois que l'architecte, c'est Oscar Niemeyer, Damien. Exactement, bonne connaissance de ta géographie et de l'architecture, Bertrand. Et là, c'est Régis qui nous propose une belle image bien composée, un joli noir et blanc, toujours dans le défi photo Sigma noir et blanc. Et il utilise en photo d'archi, hein, c'est souvent le cas, le 12-24 qui ouvre à 4 pour plein format, pour réflexe et compatible bien sûr hybride via les bagues. Mais voilà, une jolie image bien composée. C'est vrai que ce bâtiment qui est emblématique du Havre est propice à faire de belles photos et notamment à l'ultra grand angle. Il y a beaucoup de courbes, un bel endroit. Et la nuit, qui est souvent éclairée aussi avec des jeux de lumière, donc qui peut être aussi très intéressant à photographier. Je salue d'ailleurs nos amis du magasin Créapolis au Havre, avec qui on était à cet endroit-là l'autre jour. Donc voilà, vous avez sur le Havre un spécialiste, un centre premium, pour en savoir plus sur ce volcan. Voilà, et puis du coup, Renaud dans le chat a mis le lien pour retrouver aussi la fiche technique du 12-24. Vous pourrez aller tout à l'heure regarder les caractéristiques techniques. Allez, on quitte le volcan. Mais on reste dans la même région. Hein, tout à fait, tout à fait. On est à Étretat, vous reconnaissez ces belles falaises. À marée basse et c'est Dominique qui nous propose un joli cliché fait avec encore ce fameux 12-24 ouverture 4 de chez Sigma là il est à 12 mm mais j'en sais pas plus pour le reste des précisions techniques. Un bel effet miroir avec la marée basse, un bel effet vraiment miroir, il faisait beau en plus donc c'est une belle image. On voit souvent l'arche d'Étretat prise de l'autre côté. On la voit moins souvent de ce côté-là et cet angle de vue est intéressant également. Ah, je vois que Yannick a été gâté pour son anniversaire, hein, puisqu'il attend encore un 14-24 DGDN. Pour demain, donc félicitations à lui, bon anniversaire et surtout très bonnes photos. On attend de les voir peut-être dans une prochaine sélection que fera Renaud dans les prochains mois. Ouais, on va surveiller ça avec plaisir pour voir un petit peu ce qu'il va pouvoir nous présenter. On quitte la Normandie et encore non, parce que ce sont des fleurs d'arbres fruitiers qui pourraient être peut-être un pommier, mais peut-être plutôt poirier ou cerisier, je ne sais pas. Mais est-ce important ?
c'est pas forcément important. Après, moi, ce que je retiens, c'est que c'est encore une photo où du premier coup d'œil, on pourrait dire, tiens, une photo réalisée avec une optique macro. Eh bien, là, non, c'est pas le cas. Aline a utilisé son 156 en contemporary avec un boîtier APS-C Nikon. Elle nous précise, une petite photo printanière pour nous remonter le moral. J'ai hâte de retrouver les insectes. Excellente fin de journée à tous. Merci. Un cliché qui a du piquant, en tout cas. Et ouais. Voilà, mais voilà, étonnant de voir une guêpe butiner. Alors peut-être qu'elle surveille un puceron ou qu'elle se met en mode prédateur, mais je ne savais pas qu'elle butinait les guêpes. Alors, on quitte la taille de guêpe pour retrouver les habits de carnaval. Carnaval de Venise, peut-être, Damien. Carnaval, exactement, carnaval vénitien. Et c'est Didier qui nous présente. Ben là, on a mis trois photos à la suite et c'est fait avec un 120-300 en 2.8 d'ouverture, hein, la version sport. Donc, comme quoi, hein, c'est pas une optique qui est que dédiée pour faire de la photo animalière et notamment en forêt. Voilà, donc on peut aussi l'utiliser pour faire quelques clichés comme ça de portraits. Avec de jolis costumes très colorés. Et je crois même, Damien, qu'on peut, on peut s'associer, y compris Foucault, pour dire que c'est une dédicace à un ex. ouais, on avait un ancien collègue de travail qui adorait faire ce genre d'images, effectivement. Alors, je crois que c'est intéressant quand même aussi de préciser que dans les masques comme ça, alors, il y a les deux écoles, mais l'école où on voit les yeux amène un petit côté quand même peut-être un peu plus dynamique à la photo, un peu moins figé que quand on ne voit pas les yeux. Ça, c'est toujours un peu comme le 35 et le 50. Il y a toujours des petites polémiques autour de la prise de masque. Et puis, c'est aussi un clin d'œil, bien sûr, au siège de Sigma qui est à Lille, et qui s'y connaît en matière de carnaval et de sortie, hein, je crois que c'était il n'y a pas longtemps, même si de l'autre côté de la frontière en Belgique, malheureusement, ça s'est un peu moins bien passé pour un carnaval. Alors voilà, on quitte les masques, on fait tomber les masques pour retrouver nos habits les plantes. Ouais, une très très belle photo réalisée par Sonia, tout en douceur, tout en piqué, tout en belle lumière, bien travaillée, une très très belle composition aussi. Et c'est fait avec un macro, hein, le 105 2.8, le DG EX, monté sur un réflexe. Donc bravo Sonia pour ce joli cliché tout en douceur. Alors, le 105 28X DGOS HSM, c'est la référence absolue dans les optiques macro focale 105. Mais vous avez aussi maintenant son alter ego dans la version hybride avec le 105 DGDN 28. Donc, selon votre boîtier, vous allez pouvoir vous faire plaisir là, à l'occasion du printemps pour pouvoir réussir de belles photos. C'est marrant parce que moi, ça m'évoque presque un plat, on en mangerait presque. On dirait presque des petites graines germées, là, des petits. Très très belle photo. Voilà, Renaud d'ailleurs vous met les liens pour le 105. Et je crois, Damien, qu'on parlera du 105 DGDN en fin d'émission. Oui, on fait une petite surprise en fin d'émission, mais laissons le suspense. Alors, Jérôme en a parlé tout à l'heure, nous a donné le nom de cette plante. Je te laisse en parler, Damien, de cette fleur. Exactement, donc Michel qui nous propose les premières Gauganes en Maine-et-Loire, hein, donc c'est ton pays, ça, Bertrand. C'est fait avec un 105 mm en ouverture 2.8, la version EX, hein, donc pour boîtier réflexe. On est à 200 ISO, 60e de seconde, à F10. Et du coup, comme on vous le disait tout à l'heure, hein, là, vous, les utilisateurs, vous pouvez réagir sur les forums. Et Raymond lui dit, merci, parce que j'ai appris aujourd'hui cette appellation de la fritillaire.
Et belle photo au demeurant, mais voilà, donc il apprend que ça s'appelle une gogagne. Oui, parce que je crois que c'est un terme vraiment plutôt des bords de Loire, donc en Anjou, puisque oui, la gogagne chez nous, moi je connaissais gogagne, je ne connaissais pas fritillaire. Donc voilà, on en apprend tous les jours, c'est ça qui est intéressant avec la photo, et bien sûr avec Sigma et nos directs qui permettent toujours d'apprendre un petit plus. Toujours intéressant à voir dans sa culture générale, ornithologique ou botanique. Alors là, c'est une photo, a priori, vous voyez encore, il y a un peu de givre, donc qui a été pris le matin après une petite gelée blanche. Et on va retrouver une photo de la même plante, mais là, qui nous donne, je ne sais pas, beaucoup plus un air de printemps. Voilà, et puis c'est fait un petit peu de plus loin. Et puis là, c'est pas pris avec une optique macro, mais avec un 150-600 contemporary additionné avec le Nikon D7500, donc boîtier APS-C. Et donc là, c'est Aldo qui nous dit « petite floraison de la fritillaire pintade ». Donc voilà, le terme exact aussi sur cette jolie plante, cette petite cloche comme ça, mise à l'envers, cette fleur mise à l'envers qui donne… cet effet de cloche, et puis l'idée d'avoir voulu cadrer un petit peu plus large pour pouvoir donner un petit peu son univers à cette plante. Bravo. Et oui, ce qui est intéressant sur ces deux photos, c'est à partir du même sujet, entre guillemets, on arrive à donner deux ambiances totalement différentes, donc c'est toute la richesse de la photographie et surtout des photographes, puisque vous le savez, nous on aime bien dire que chaque photographe est unique, donc il a son œil et ça fait toujours un résultat intéressant, différent. On reste dans les fleurs de printemps avec ce beau jaune. Et là aussi, surprenant au niveau de l'optique. Eh bien voilà, exactement Bertrand, puisque Ludo utilise une ancienne version du 500 mm, la version 4,5. Et voilà, donc même avec un 500... on peut aller s'amuser à faire un petit peu de photos de botanique, on va dire, mais des cadrages très serrés comme ça, et on remarque bien sûr la profondeur de champ qu'amène et la focale et cette ouverture assez spectaculaire. Et voilà. Merci Ludo. Oui, vraiment, cette sélection, vous voyez que ça montre des objectifs, entre guillemets, à contre-emploi. Le 500, tout à l'heure le 150-600, voilà. On arrive ou encore le 85-1.4, où on pensait vraiment que c'était de la macro. Et voilà, fait, donc avec une optique, on peut aussi faire des styles totalement différents. Donc, faut pas hésiter à sortir votre optique, votre boîtier, là, surtout avec les jours qui rallongent et la chaleur qui arrive. Et faut essayer, faire des essais. Voilà. Et des fois, c'est en croyant faire une photo ratée que l'on a des fois les plus belles surprises. Alors, j'allais dire au développement, on a perdu le charme un petit peu d'attendre de développer sa photo pour savoir ce que ça donnait, puisque maintenant, on a les écrans en direct. Mais voilà, c'est toujours la surprise des fois d'avoir une belle photo alors qu'on ne s'y attendait pas toujours. Et là, c'est de la macro quand même. Là, c'est de la macro et Olivier nous présente la danseuse. C'est réalisé avec le 105 2.8 macro. Une jolie image comme ça aussi avec des lumières assez douces derrière et ce joli bokeh. Une belle composition dans une belle lumière qui met en avant sa danseuse. Ah, c'est vrai que pour certains, la photo est une danseuse. À propos de danseuse, peut-être une danseuse en herbe. Exactement. Et puis voilà, donc on termine cette présentation de toutes vos belles photos par ce très, très joli portrait proposé par Yumi Nguyen qui utilise, elle, un 50 mm 1.4 dans la série Art. Et bien voilà, une très, très belle composition avec des lumières comme ça qui sont très, très douces. Ça fera en tout cas dans une image qui va rester dans la famille très très longtemps. Bravo. Oui, parce qu'on dirait presque une photo d'un peintre du Nord d'il y a quelques siècles. Tu aurais dit un Werner, c'est ça.
Voilà, peintre flamand, peut-être que dans 5 siècles, on aura cette photo et on dira « Ah, regardez comme il savait faire des beaux portraits dans ce temps-là ». Donc, non, très belle photo. Et c'est sur ce beau portrait que l'on termine la sélection, mais on ne termine pas encore tout à fait, je crois, notre émission, Damien. On a quelques petites surprises à vous annoncer avant de clôturer cette journée de ce lundi de fin de mois. Et je vois que tu es toujours là, donc c'est bien. Alors, effectivement, on va vous faire un rappel un petit peu des promotions dont vous pouvez profiter. Comme tout à l'heure, j'ai mangé son prénom, mais qui en a profité pour acheter le 150-600 VGDNOS dans la version sport, donc la nouvelle référence des 150-600 pour l'hybride, Damien. Oui, un produit qui est très léger, compact et qui est de très haute qualité, le 150-600 donc, qui existe et en monture Sony E, hein, donc pour boîtier hybride bien sûr, et puis pour en L-Monte pour les boîtiers Panasonic dans les séries S, pour les boîtiers Leica dans les séries SL, et puis pour nos deux boîtiers Sigma, le FP le 24 millions de pixels et le FPL le 61 millions de pixels. Donc voilà une très très belle un très très beau zoom, hein, un énorme zoom. Et là, vous allez, donc cette remise de 150 € est valable dans tous vos points de vente habituels, est valable jusqu'au dimanche 3 avril. Donc, il reste, on va dire, une semaine pour en profiter. Alors, effectivement, bon, c'est vraiment la référence dans la nouvelle référence dans l'animalier, hein, puisque déjà son prix est très très intéressant, son prix normal. Mais là, avec la remise de 150 €, vous allez pouvoir vous faire plaisir en ce début de printemps. Et comme le dit Renaud, ce sont effectivement les offres de printemps Sigma. Et on va continuer puisque avec le printemps, vous pouvez faire de la photo animalière, mais vous pouvez également, bien sûr, faire de la macro. Donc, on ne vous a pas oublié avec le 105-28 DGDN macro. Exactement, hein, donc optique macro par excellence, hein, optique qui est dédiée donc à l'hybride, cette nouvelle optique se monte sur les boîtiers Sony et sur la L-Monte, et là vous avez une remise immédiate en caisse de 100 €, hein, donc faut vraiment en profiter, et ça donc c'est valable jusqu'à la fin de la semaine, hein, le dimanche 3. Avril. Dimanche 3, oui. Et d'ailleurs, j'en profite également pour dire que dimanche 3, je serai à Château-Giron sur le Salon des photographes de l'Ouest. Donc, vous pourrez, je serai avec d'autres marques et nous serons sur le stand de nos amis de Images Photorennes. Donc, vous pouvez venir nous voir et profiter bien de ces remises. Alors, une remise qui s'arrête également, mais moi, qui est valable toute la semaine, qui s'arrête le dimanche 3, c'est sur notre boîtier FPL, le plus petit plein format du marché, Damien. Oui, hein, Bertrand, avec donc le fameux capteur 61 millions de pixels, un capteur très puissant qui permet de réaliser et de très belles photos et de très bons films. Donc, profitez-en, 300 € de remise jusqu'à dimanche 3 avril. Et là, ça fait vraiment un plein format 61 millions de pixels à très très bon prix avec la remise. Donc, courez chez votre revendeur Centre Premium, entre autres. Renaud vous mettra sans doute la liste en lien dans le chat et vous pourrez vous faire plaisir avec un super boîtier peu encombrant. Surtout que normalement, on devrait pouvoir voyager un peu plus cette année. Ben, vous pourrez l'emmener partout. Et en toute discrétion, suivant l'optique, notamment toute la ligne des High Series que l'on voit sur ces photos. Et pourquoi je vous parle de la High Series? Eh bien, parce qu'on là, on a une promotion qui s'y va jusqu'à la fin du mois d'avril. Damien. Oula. Oui, alors là, on a carrément 50 € de remise sur ces quatre optiques-là qui ouvrent les quatre à 2, hein, F2. Donc, on a un 20 mm. Un 24 mm, un 35 mm et un 65 mm. Quatre focales qui se complètent vraiment, qui sont petites, qui sont légères, qui sont très très bien fabriquées. Bac de diaph
directement sur l'optique, par soleil aussi, en métal. Enfin, voilà, on a quand même quelque chose de vraiment abouti sur cette série et des optiques qui sont comprises entre 600 et 700 euros. Voilà, donc profitez de cette remise de 50 euros disponible, pour le rappel, en monture E Sony et en monture Elmont. Et si vous voulez vraiment, si vous savez calculer, que vous voulez vraiment faire une bonne affaire, puisque regardez, 300 euros sur le boîtier, plus 50 euros par optique, si vous faites le 20, le 35 et le 65, vous cumulez 450 euros de remise pour avoir de très très belles photos. Et pour ceux qui font de l'animalier, eh bien, même le 300 euros de remise sur le FPL plus le 150-600, ça vous fait 450 euros de remise également. Ou avec le 100 macro, le 105 macro, ça vous fait 400 euros de remise. Donc, faites vraiment et profitez chez Sigma. Le printemps est très, très intéressant et très abordable. Bientôt plus abordable que le gasoil, mon cher Damien. Exactement. Et bien, sur ces belles paroles, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, cliquez tout de suite pour vous abonner. Et puis, rendez-vous dans un mois pour la suite. Et en attendant, continuez à travailler, à faire de belles photos et à nous les partager. Alors, vous pouvez bien sûr revoir en replay cette émission sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, sur bien sûr la chaîne YouTube. Pour vous abonner, c'est le petit carré en bas à droite. Nous, on se retrouve au moins dans un mois, fin avril, pour une nouvelle émission « Vos photos font la une ». En attendant, bons achats, bonnes photos et bon mois d'avril. Au revoir à tous.